Muerto's got no skin. We need to go, like now. That gate won't last long. Wow, générique plutôt impressionnant. Ils savent nous mettre directement dans l'ambiance. Alors, bonjour les amis, je suis OB et aujourd'hui on se retrouve donc sur State of Decay 2. Un jeu de survie et d'horreur. Le joueur doit y vivre dans un monde ouvert, infesté de zombies, comme vous pouvez le constater actuellement autour de moi. Donc là, nous sommes dans un camp. D'accord? Faut que je fasse mes marques. Ok. Oula! Que se passe-t-il? Ah, oui. Ok, d'accord. Bref, donc... Ok, Sam, ok. D'accord, Sam. Merci. Donc, il va falloir que je trouve de quoi me nourrir, me défendre et m'abriter, bien entendu, tout en collaborant avec d'autres survivants pour échapper à l'invasion qu'on peut constater actuellement. Donc ce jeu est un petit rappel, enfin pour ma part je trouve, de la fameuse série The Walking Dead. J'ai envie de dire que le principe est à peu près le même. Mais avant tout, pour l'heure, nous allons donc explorer cet endroit. Et par la suite, il va falloir que je bâtisse donc ma base, que je développe les personnages. Que vous voyez là, j'en ai deux. Donc j'ai Sam. J'ai Sam, que vous voyez là. Le gars que j'ai là, je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi. Bref, nous sommes un couple qui doit survivre parmi cette infestation. Enfin, parmi cette... oui, cette infectation. Voilà. Donc, par la suite, je pourrai donc développer mes personnages, ainsi que gérer les ressources. Donc, allons-y, c'est parti. On va donc commencer tout de suite à se familiariser un petit peu avec le monde. Ah, ça fait du bien de s'écarter d'un coin où ça crie beaucoup. Allons-y donc, écartons-nous un petit peu. Allons explorer ce domaine. Ouh là là! Ah oui, je t'appelle. Voilà. Ah! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Voilà, tiens. Hop, on le finit comme ça. Okay. Ah oui, je peux me baisser? D'accord. Où sont-nous? Preston, voilà, je m'appelle Preston. Et Sam. Alors, fouiller. Alors, mage gauche pour fouille rapide. On va éviter, hein, il y a du monde. On va essayer de les faire discretos, ça peut être pas mal. Ah, ça c'est bien ça. Ah, pour utiliser le bandage. Oui, ça fait du bien. On va remonter un peu ma vie, hein, j'ai plus de vie. Ça commence à peine, je suis déjà presque mort. Où est-ce qu'ils sont? Où sont nos ennemis? On va essayer de fouiller un petit peu l'endroit. Car comme je vous le rappelle, donc c'est un monde libre où... nous avons énormément de choses à faire et à y voir. Mage pour fouiller plus vite. Effectivement, il fouille. J'ai envie de trop y appuyer. Alors, bandage génial. Ça, c'est quoi? Sachet de snack. Allons-y, c'est parti. Viens avec moi, Sam. Vite. La musique est folle. Elle nous en... elle nous met, mais vraiment dans... dans l'ambiance de ouf, là. Oh! Est-ce qu'il me voit? Tu me vois? Bonjour. D'accord, tu me vois pas, hein? Non. Je te jure, je suis pas là. Je vous jure que je suis pas là. C'est pas moi. Bon, allez, on va fouiller, hein. Tant qu'à faire. Il ne nous voit pas. Faisons comme s'il n'était pas là. Non, tu me vois pas, hein? Non. Tant mieux. J'ai l'impression qu'en fait, il se repère vraiment essentiellement au bruit. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est cela. On va essayer de l'éliminer
discrètement. 6. Aïe. Ah non. J'ai cassé ma patte. Oh non. J'ai cassé ma patte. Les amis, j'ai cassé ma patte. Bon, on va fouiller ici. Allez, hop. On va accélérer un petit peu. Tant pis si... D'accord, on n'a rien découvert. Tant pis si je fais du bruit. Comment est-ce que je m'abaisse? Comme ça. Ok. Vaut mieux se baisser, il y en a un là-haut. Il y a un moche là-haut. Ah, il y a un truc à fouiller. Donc, fouiller cette... cette glacière. Allez, on va faire du bruit. Eh ben voilà. J'ai fait du bruit. Bon, ça, un petit tranquille. Oui, un petit tranquille. Oui. Il est là. Il est là. Regardez-le. Aïe. Oh, purée, il y en a deux. Non, il y en a deux. Oh là là. Oh. Et, ah d'accord, c'est pour esquiver. Bon Sam, tu t'en occupes. Ah non, tu t'en occupes plus, t'as plus envie. Bonjour. Bonjour, moi c'est Dexter. Et toi? Bah t'es mort. Tout simplement. Allez hop, c'est parti. Allons faire la suite, je crois que j'ai tué tout le monde. Non? Bon, on sait jamais. Bref, tant pis. Faut vraiment que je trouve de quoi m'armer. J'en ai plus de quoi me défendre. Oui, Sam, c'est officiellement le camp de réfugiés. Oui. J'ai pas eu le temps de te lire. Parle pas vite, s'il te plaît. Bah, il va faire un peu de bruit, c'est pas grave. Ah, voilà. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Comment Tab. Tab. Je. Oui. D'accord, non. Va falloir que je me rappelle un petit peu les touches. Ah, je l'ai utilisé, forcément. Voilà, j'ai appuyé sur I. Voilà, c'est cela. I pour inventaire, tout simplement. F pour utiliser. Oui. Toi, hop, on le jarte et toi on t'utilise. Parfait. Parfait, maintenant on peut y aller. Maintenant que je suis équipé, on va pouvoir aller défoncer quelques zombies. Ou du moins se défendre, bien entendu. Et on va faire un peu de bruit. Ah, tu n'en as pas fait cette fois-ci, c'est bien. Allons-y, ce camp est vraiment désert, les gars. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, mis à part des zombies. Hey, check out these notes. Oui, you know, I'd write one regarde un peu ces notes. D'accord, on va regarder cette note. Why am I the one who's gonna get lost? On va regarder plus vite. Voilà. Objet trouvé. On a trouvé un objet. Très bien, on va le prendre, on le lira plus tard. Let's just keep moving. On va le lire un peu plus tard, nous avons déjà fouillé tout ce qu'on peut dans la zone. J'entends déjà un affreux. Il est où? Il y a un affreux dans le coin, je sais pas où il est. Ah, un bandage. C'est bien, on va pouvoir se soigner un petit peu. Oh, il est là. Il est là, l'affreux. Et l'affreux, viens par là. Allez, on va se le faire. Allez, c'est parti, on fait un peu de bruit, les amis. Pas grave. On se fait tout le monde. Oui, viens par là. Bonjour. Allez, oh. Ok, ça a l'air pas si mal. C'est fait tout le monde. On n'est pas très discret. C'est pas grave. Je pense que par la suite, il faudra être un peu plus discret. On ne sait pas ce qui peut se passer. On va fouiller plus rapidement. Voilà, encore un bandage. C'est bien, c'est parfait. On va pouvoir se soigner dans un premier temps. Bon, il n'y a plus personne. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai tout Oui, certainement. Les objets sont en surbrillance, donc je pense que j'ai dû tout fouiller. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, j'ai dû franchir une étape. Sans doute. Pour ouvrir, on va ouvrir la porte. J'ai peur. Mon Dieu, où est-ce que je vais? The hell is this place? The last stand for bureaucracy? Ah, F pour la lampe, oui. Allons-y, voilà. On est clair, c'est beaucoup mieux, bien entendu. Allons-y, faisons pas de bruit, les amis. Ne faisons pas de bruit pour ouvrir. Locked up. Oui. J'ai fait du bruit. Il y a des affreux là-haut. Oh mon Dieu. Get it off me. Ah bah oui.
Oui, il y a des affreux. Attends, j'arrive. Attends, ne meurs pas. Ah! Alors, mais... Sam, laisse-moi te sauver la vie. Non, tu veux pas? Ça y est. Oh, désolé, Sam, j'étais peut-être un petit peu lent. Passer un... D'accord. Putain de merde, il m'a... Eh oui. Excusez-moi pour les gros mots, c'est ce qu'elle vient de dire, en fait. Exactement. Bon, on va éteindre cette petite torche. Voilà. Quoique, non. C'est rassurant d'avoir un peu de lumière. Y a-t-il quelque chose par là? Pouvons-nous fouiller la zone? D'accord. Ah, là! Une malle en surbrillance. Allons fouiller de façon rapide. Encore une note. Donc gardez tout cela en main. Viens avec moi, Sam. Il faut te guérir. Je pense que tu dois être... Oui, effectivement. Désolé, je serai plus rapide la prochaine fois, c'est ce qu'il lui dit. Donc je pense qu'elle est infestée, en fait. On peut éteindre la torche. Allons-y. On va se baisser. Dios mio, c'est quoi ce bordel? Oh, dégueu. Force. Oh oui, d'accord, il y en a un là. 7 Heralt plus G. Enfoncé. 7 Heralt. G. Ouf. Voilà, d'accord, parfait. On peut les achever. Viens, mon beau. Oh, t'es beau. Oh oui, t'es beau. Allez hop, t'es fini. Et toi aussi. Parfait. Je crois qu'on a fait la zone là. Il n'y a rien à explorer. Bon, on va aller plus loin. Allons par ici. Qu'y a-t-il à découvrir dans ce coin? Rien. Bon. Alors, par ici. Ah, là. Fouillez. Il y a beaucoup d'affreux autour de nous, je trouve. Hein. Ah, ça, c'est bien, ça. D'ailleurs, on va se l'équiper immédiatement. Alors, où es-tu? Là, machette. C'est parfait, c'est ce que je veux. Petite machette. Alors, règlement pour les civils du camp Osprey. Les feux, le vandalisme et les comportements inappropriés sont interdits. Bruit. Après le coucher du soleil, interdit. Les approvisionnements non autorisés seront confisqués. Usage interdit des infrastructures d'hygiène en dehors des jours indiqués. Reste à tout moment dans votre secteur d'habilitation assigné. D'accord, restez. Ok, très bien. Donc ce sont les règlements. Et ici nous avons quoi? Donc pas question de battre en retraite. Nous avons prêté le serment de protéger ces gens. Nous ne pouvons pas les abandonner alors qu'ils sont dans le besoin. Rejoignez notre cause, sauvez notre nation. Nous sommes les Red Talons. Très bien. C'est la note sur le mur. Ça, c'est la note que j'ai trouvée à l'intérieur. Très bien. Parfait. Je viens de m'équiper. Donc, c'est bon. Je suis équipé. Allons de ce pas. Il faut que j'aille par où? Par là, vous pensez? Je viens de là-haut. Hein. Faut-il que j'aille par là? Ah, ici, il y a quelque chose, vous voyez? Heureusement qu'on va vraiment partout. Il y a plein de choses à voir, découvrir. Allons, faisons du bruit, c'est pas grave. Encore un medikit, parfait. Ça peut servir, oui. Effectivement, tu l'as dit. Ça peut servir, bien entendu. Il y a du monde. Non. On va se planquer. Sam, on vient pas de leur tourner le dos. On peut le faire, faut juste les éviter. Éviter de faire du bruit, bien entendu. Alors, c'est enfoncé. Ah oui, d'accord, c'est TRL G. C'est TRL G. Bonjour! Et tac, parfait. Bon, c'est relativement simple dans les combinaisons de combat. C'est TRL G. Bonjour! Et hop, élimination discrète. Faut que j'aille où là? Par là. C'est quoi ça? C'est quoi ce machin?
D'accord, on a un ami qui va nous aider, je crois. Come on, let's go, let's go. Ah, non, ils sont là. Oh, vite, sauf qu'il peut. Oui, je vais monter l'échelle. J'ai eu peur, j'ai eu la peur de ma vie. Heureusement qu'il ne m'a pas vu. Et pourquoi vous êtes encore là? Les derniers camions, j'ai pas eu le temps de lire. Parle-moi vite. D'accord, sont tous passés, on a envie de refermer ce camp et de partir. D'accord, on va surtout partir. Il n'y a plus d'armée, mon pote, du moins pas ici. Seuls deux tribus ont décidé de rester, et moi qui avons survécu. Très bien. Je sais que je n'exagère pas, mon cerveau me brûle. C'est vrai qu'elle est. Elle est infestée du coup. C'est quoi le souci? Pas bon du tout, t'as besoin d'aide, effectivement. Donc on va le suivre, peut-être qu'il va nous aider. Ok. Utilisez le menu radio. Très bien. On pourra utiliser la radio. Je viens de là-haut, oui, il faut que je descende. Descendons. Ok, parfait. Vous me suivez? Ouais, elle me suit. Ah d'accord, je suis tout seul avec elle. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Une horde de zombies. Bonjour. Vous pouvez pas m'avoir. Ah. Franchement, j'ai des FC barreaux, hein. Ah, il faut aller par là. Tu me suis? Oui, elle me suit. Elle est vraiment dans un sale état. Hein. Vous sortez d'où, vous deux? Je pensais que le civil était parti depuis des jours. Oui. Mais oui, mais non, nous sommes nouveaux. Nous venons d'arriver dans ce camp. Parlez. Peut-être qu'il faut lui parler. C'est toi le Toby. Ok, essaye. Sûrement désolé, il va falloir me suivre, oui. Allons-y. C'est une des choses qui m'a mordu. Effectivement, c'est la peste sanglante, c'est très contagieux et ça va très vite. Ça va m'arriver, c'est-à-dire, tant que je suis là, ça ira. Hey, j'aurais besoin de je ne sais pas quoi. Pour moi, une valise d'échantillons, j'en ai besoin. Très bien. Très bien. Très bien, on va essayer de trouver ça, mais je doute que ce soit ici. Non, c'est ici? Non. Ah non, c'est peut-être pour plus tard, il n'y en a pas ici. Ah, où est-ce que tu vas? C'est dégueulasse. Ah, ici, nous avons quelque chose. Certainement là. Échantillon de peste. Je pense que c'est ce qu'elle veut. Y a-t-il quelque chose d'autre à fouiller? C'est vraiment répugnant ce coin. On va sortir d'ici. Où es-tu? Ah, là. Alors, j'ai vu des médicaments, mais j'ai trouvé ça. Allons-y. Il n'y a pas de remède. Merde! Il me faut une infirmerie pour préparer un... D'accord, faut filer d'ici. Nous allons partir d'ici, apparemment. Je sais que tu veux sauver Amari, mais il est temps de filer. C'est grâce à Amari que nous avons eu un traitement. Exactement, faudrait pas que cet héritage. Toi, survivants auront besoin de ton aide. Je peux pas partir, pas comme ça. Fais ce que tu as à faire. Très bien. Je suis désolé de te demander ça. Elle va me demander quelque chose. Que veux-tu me demander? Personne ne mérite de vivre ce qui est arrivé à Marie. Très bien. Quoi encore lui parler? Compris. Acceptez l'arme du médecin. Merci, je serai armé.
Alors, ouvrir l'inventaire sur I pour équiper d'une nouvelle arme. Non. Là. Ok, je suis équipé. Je vise. Et il faut que je tue. Donc c'était leur ami apparemment qui s'est fait infester. Et pour quitter l'endroit, apparemment, le médecin me demande à moi de tuer son ami. Enfin, d'abattre la chose actuellement devant moi. Perdóname. C'est fait. God watch over you. Allons-y, suivons-les. Car je crois que nous allons partir. Je sais que je suis pas très... Hein, mais je te dis, je suis content de ne pas être seul. Oui, bien évidemment, moi aussi. Sans toi à mes côtés. Effectivement. Oui, il faut qu'on les suive. Allons-y. Bonjour. Merci de l'avoir fait. Oui, je l'ai fait. Il y a des cris bizarres dans le coin. Faut que je te parle. Alors, rendons-nous vers une ville dans les collines. Allons vers la ville du plateau. Allons jusqu'à la ville dans la vallée. Alors, lequel allons-nous choisir de ces lieux? Vers la ville du plateau. Allons jusqu'à la ville dans la vallée. Rendons-nous à la ville dans les collines. Du plateau. Allez, on va tester. Agree. Allez, à Waldruf. Oui, c'est bien cela. Bonjour, oui, je me trompe de bouton, j'essaie de vous attraper, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et donc là, il faut que je conduise ? Conduire, très bien. Et Z pour accélérer. Ok. On accélère. Out of gas. Guess we better start scavenging. More fuel won't help us now. The way that blood plague is progressing, your friend won't last long without a place to rest. Oh, I've literally never felt worse. Je me sentis aussi mal. We have to find a place to settle down. On doit trouver un endroit où se poser maintenant. Pour une fois, je suis d'accord avec l'armée. C'est le moment de se mettre en route et de trouver un endroit où s'installer. Bien. Un endroit où on pourra empêcher ton pote de mourir. Oui, mais c'est ma copine, c'est pas mon pote. Très bien, et vous me lâchez comme cela. Il y a un endroit convenable où on pourrait s'installer, c'était avant qu'on tombe en panne. Zut, nous sommes tombés en panne. Très bien. Il va falloir que je trouve... Alors, ouvrez le menu de la radio pour récupérer le contenu. Oui. Très bien. On va déjà ouvrir le coffre, ce sera déjà pas mal. Nous avons de la nourriture, de quoi ce soit. Très bien, parfait. C'est donc parfait. Comment vais-je trouver... Ah mon dieu, voilà. Un affreux. L'affreux, viens par là. Viens, l'affreux. Bonjour. Allez, ça c'est fait. Bon sang, on a de la compagnie. Eh oui, il est plus là. Je ne sais pas où je suis et je ne sais pas où je dois aller. Bref, nous allons donc déjà essayer de trouver donc un endroit. Rendez-vous à l'emplacement marqué sur votre carte pour... faire des repérages de vue afin de s'y installer. Très bien. Ouvrir la carte, c'est déjà pas mal. Déjà une bonne chose, la carte. Comment est-ce que j'ouvre ma carte? Santé déjà au maximum. Ah oui, excusez-moi. Je voulais ouvrir la carte. Ça, c'est le menu de la radio. Que j'ai ouvert sur Y. Très bien. Très bien. P? Non? Non plus. Ah, voilà. M pour map, bien entendu.
Ah, là nous avons donc les nouveaux venus. Accueil, population 4. Nous avons donc 4 personnes à cet endroit. On peut aller ici. Et là je vois que nous avons donc un nouveau foyer. Objectif personnel, d'accord. Rendez-vous à l'emplacement marqué sur votre carte pour faire des repérages en vue de s'y installer. Très bien, je pense que c'est là que nous devons aller. Eh ben écoutez, hop, c'est parti. Nous allons aller ici. Allons-y, les amis. Alors, le menu, donc ça, l'indépendance pack, en fait, je vous explique vite fait, si nous avons le message qui s'affiche régulièrement en vert. Donc, l'indépendance pack, c'est un pack que j'ai acheté et qu'on aura l'occasion d'essayer, bien entendu, dans une autre petite série. Peut-on fouiller ici? Non. On peut escalader, mais on ne peut pas fouiller. Donc oui, donc c'est un pack que je me suis permis d'acheter. Hein. C'est un supplément que vous n'aurez pas forcément dans le jeu de base. Il faut payer 5€ de plus pour obtenir ce pack. Bref, revenons à notre objectif principal qui est à 242 mètres. Il faut trouver donc notre base. Tu me suis? Ah, nous sommes deux à y aller. Très bien. Je me sens du coup un petit peu moins seul. Oh, un affreux. Un affreux là-haut. Bonjour madame. Bonjour. Dans les buissons. Allez hein. C'est fait. Allons-y, plus que 200 mètres. 200 mètres à parcourir au milieu de tous ces affreux. Ok. Véhicule à l'abandon. Il y en a un autre là-haut. Ah, ah, d'accord. Qu'avons-nous par là? Personne, très bien. On va aller par là. Hein. L'affreux là-haut que je vais tenter d'éviter. Qu'est-ce que nous avons par là? Une maison. Ok, on va pas aller s'aventurer aujourd'hui pour l'instant. La priorité est d'établir donc notre base, de s'installer. Tout simplement, donc pour l'instant, on va essayer de se rendre à cet endroit. Alors, plus que 145 mètres. Il n'y a personne. Nous sommes seuls. Enfin, l'endroit a l'air désert, mais en vrai, il ne l'est pas. Tu me suis? Oui, tu me suis toujours. C'est parfait. On a des véhicules, un corps qui pend. Un corps qui pend juste là, regardez-moi ça. Il n'y a pas à dire, hein, le décor nous met vraiment dans l'ambiance. Nous met vraiment bien dans l'ambiance. Aïe, j'avais ma tête dans la carrosserie de la voiture. Où est-ce que je vais? Ce n'est pas par là, c'est par là-haut. Par là-haut. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'on voit là, hein. C'est ce bâtiment, j'ai l'impression. C'est cette chose, on va aller dans un hangar, j'ai l'impression. Oula, qu'est-ce que c'est qui crie là? C'est vous là-haut? Mais vous en faites du cirque, hein. Allons-y. 68 mètres, c'est ça, c'est l'endroit là, hein. C'est bien ce... That could be a solid home. Que non, 50 mètres, ça me paraît bizarre, 50 mètres. Ah non, c'est derrière. Ah, ça a l'air d'être ça là-haut, le bâtiment là-haut. Oui, tu me disais, tu me parlais. Excuse-moi, je ne t'ai pas écouté. Je suis désolé. Oula, il y a eu deux affreux là. On va les éviter pour l'instant, on va vraiment s'installer. D'accord, oui, donc c'est bien ça. Donc c'est la bâtisse qui est là. Où il faut que je me rende. On va essayer de passer sur le côté, tout simplement. Allons-y, un nouveau foyer. Rendez-vous à l'emplacement marqué sur votre carte pour y faire un repérage en vue de s'installer. C'est ce que nous faisons. Ah merde, on va faire du bruit. Ah, j'ai fait du bruit. Il va y avoir des affreux. Donc je crois qu'il faut que j'explore l'endroit. On va déjà faire le... Oula. Oh mon dieu, un gros. Bonjour. Bonjour. Coucou ma belle. Enfin, ma belle façon de parler, bien entendu. Alors, qu'avons-nous là? Un garage, c'est très bien.
Ok, un petit jardin. Voilà, je crois qu'il faut explorer les lieux en fait pour tout simplement pouvoir écarter tout danger. Tout ça, que de pouvoir rentrer. D'accord, alors sécuriser un bâtiment. Pour sécuriser un bâtiment, vous devez explorer chaque pièce signalée sur la mini-carte. En plus d'explorer toutes les pièces, vous devez tuer tous les zombies sur place. Une fois la zone sécurisée, les zombies ne pourront plus y apparaître pendant un certain temps. Très bien, donc il faut vraiment sécuriser l'endroit en fait, c'est bien cela. Le froid, oh non. Voilà, c'est déjà sécurisé, on va déjà faire... On va passer par là, voilà, hop. Sécurisé? Parfait. T'es avec moi, t'es prêt? Allez là. Bonjour madame. Oh, oh non, il y en a un derrière. Mais tu l'as pas eu. Abattu. Là, il y en a un autre là qui se réveille. Un moche. Un méchant, voilà. Un babou qui s'est réveillé. Alors, deux pièces de fête, celle-ci. Voilà. Donc nous avons fait les zones là, ici aussi. Voilà, parfait. Ensuite, nous allons monter. Donc là, nous sommes dans le hall d'entrée. D'accord, l'étage. Faisons donc ici. Y a-t-il quelqu'un? Non, c'est celui qui a sauté par la tête tout à l'heure. Donc là, ici, il n'y a plus personne. Ouh, j'entends du bruit. Oh Dieu. La musique s'accélère. Que va-t-il nous arriver? Que va-t-il se passer? Ça m'a l'air bien ici, il est temps de revendiquer cet endroit. Et donc, je pense qu'on a trouvé une nouvelle base, oui. Ah. Et bien joué, récupérer l'endroit. Alors, pour investir une base, interagissez avec le point de requête. Les conditions, très bien. Revendiquer une base sur eux. Bah tiens, je suis juste en face en fait. Alors, revendiquer une base. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Peux-tu t'en aller, le message? Non, je ne pourrais pas lire. Une maison petite, mais facilement défendable. Offrant assez d'espace pour accueillir une petite communauté. Ah, merci, enfin, quand j'ai fini de lire, tu t'en vas. Caractéristiques, donc emplacement 10, donc grand emplacement, grande installation intégrée, petit emplacement... extérieur, petite installation extérieure, petit emplacement intérieur. D'accord, très bien. Et donc ça, c'est le listing de tout ce que nous avons. Nous avons donc une chambre principale, des lits superposés. Parfait. Ordure, d'accord. Des détritus. Un parking. Et une cuisine de chef. Très bien. Alors, requiert. Une personne, nous sommes quatre. C'est ça? Si je comprends bien, c'est cela? Ou quatre personnes seules? Non, nous sommes quatre. Oui, si nous sommes quatre, il faut au minimum une personne. Ça doit être ça. Revendiquer une base. Allons-y. Lorsque vous déménagez, les installations sont désassemblées et vous en récupérez les ressources. Les opérations de construction sont plus rapides après un déménagement. Très bien, confirmé. Voilà, je ne déménage pas, j'emménage bien évidemment. Nous venons donc de revendiquer l'endroit. Et les amis sont avec nous. On peut enlever la torche. Ça, c'est fait. Statut de la base. Ah, j'ai le statut de la base. Donc, stab, nous avons de la nourriture. Survivant contaminé. Mais oui, bien évidemment. Tu es contaminé, ma grande. Alors, ouvrir l'armoire à fourniture. Ah, oui, d'accord. Et donc... je peux mettre des choses dedans. On va mettre la note, hein, nous sert à rien. La batte cassée, on va la garder, on va essayer de l'acheter. Sans... Ah quoi que non, ça on va le garder de côté. Toujours utile. Voilà. Ça on est de trop, donc on va les mettre dedans avec. Sauf si on va se vider un petit peu, les amis. Histoire, quoi que ça, je peux essayer de le jeter. Hop, on va se déséquiper de cela. Alors, ce que nous avons déjà fait, c'est se débarrasser de notre batte. Cette batte cassée.
Sauf que pour jeter un objet par terre, je ne sais plus comment on fait. Hein, une fois encore. Peut-être F? Non. Alors, réparer, récupérer. Alors, retirer. Ah oui, lâcher R. Voilà, c'est comme ça. Voilà, là je viens de la lâcher. Très bien, parfait. Non, on va s'équiper de ça. On va s'équiper de ça. Ouais, voilà, parfait. Parfait. Écoutez, les amis, donc je suis donc armé, je suis équipé, je suis open pour toute mission. Sauf que pour aujourd'hui, donc nous avons déjà bien, nous sommes déjà installés, nous sommes fatigués après cette dure journée. Donc nous allons nous reposer. Et moi, sur ce, je vous dis. Au revoir et à bientôt donc pour un prochain numéro sur State of Decay 2, les amis.